premier siècle avant notre ère, des vétérans de la Légion stationnés à Fréjus prennent leur retraite et acquièrent des terres sur la plaine alluviale de la rivière Floriège. Là, plusieurs centres agricoles se développent. Vignes et oliveraies sont les principales productions de ces fermes. Au domaine Saint-Martin, sur la commune de Tarado, une importante fouille archéologique a été effectuée de 1996 à 1999 sur une villa. Les fouilles ont révélé que la ferme appartenait à un vétéran de la Légion nommé Publius Varius. Puis, durant plus de 8 siècles, la villa passera de main en main, subissant tout au long de son histoire des remaniements importants pour être définitivement abandonnée vers le XIIe siècle. Sur les hauteurs de Tarado, une enceinte fortifiée de la fin du 2e au 1er siècle avant notre ère, oppidum gaulois de défense. Signalée en 1905 et redécouverte en 1969 à la suite d'un important incendie de forêt qui remit au jour les remparts enfouis sous une importante végétation. Les années qui suivirent furent consacrées à des fouilles du site, dégageant totalement les murs d'enceinte et les structures des habitations intérieures nichées le long des remparts. Une fois les fouilles terminées, aucune mise en valeur du site et le retour à l'oubli sous la broussaille. Une association de bénévoles a remis récemment en état le site pour l'intégrer dans un parcours de randonnée touristique, ce qui sort de l'oubli ce lieu de l'histoire de Tarado.